L'idée, c'est que nous avons dans une vie, statistiquement, à vivre 80 printemps. Statistiquement, je ne veux pas refaire, je veux pas refaire les sondages, mais on va vivre 80 étés, 80 automnes, 80 printemps, et l'un des quatre... La moyenne. En moyenne, et l'un des quatre qui va peut-être sauter. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, ma grand-mère, elle a quitté ce monde à 99 ans. C'était formidable. Mais en moyenne, c'est 80 printemps. Combien de printemps il vous reste à vivre? Combien de jours il vous reste à vivre? C'est très positif ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que vous devez prendre conscience que chaque jour que vous avez, chaque matin que Dieu vous donne, vous savez quoi? Il faut en profiter. Arrêtez de cracher dans la soupe, profitez de ce qu'on vous donne. Ce n'est pas un dû, c'est un cadeau. Ce n'est pas un dû 24 heures, c'est un cadeau. Ça, c'est vrai. Combien de printemps il vous reste à vivre?